Sorina, Forna, bon, El Hadj Malick, nous les gérons de la ziare, de la Happy New Year, auditeur de la Happy New Year, ma baille, la souhaite la Happy New Year, Baladio. Jerejef, Mangi la Nuit Bouba, Mangi également souhaite un bon cul de Gliop, une très bonne heure d'année, et en y a le défendu Jamouni, défendu Soutoura. C'est vrai que dès que Bofan est Diffodundu, Bofan est Bodegé Lakbi, Ham système Rémunumi Doré, Aman Sedundin Danafogane Yombo. Mais ce qui est valable ici, Minwara Hamé système Rémunumi Doré, non la valable également, nous sommes sur le système Rémunumi au Sénégal, Nimi Doré. Parce que Bogosser le Bokuibri, engagement habité Sénégal, un peu dolé, que fi nga xamné ni fi lañuy dundé et lolu souvent man na poser problème après mom deug la ñëpp du ñëpp jàngé école ñëpp ñu bëri ay ndongo daara lañu wala daara lañu jàng mais c'est extrêmement important ñin ñi deug dund ci réew mi ñu xam réew mi ni mi doxé ñu xam ñu mëna gis lakk wi ñu mëna gis mbind tuuti lolu dana yombal suñu nekkin fi ni je crois que ci contexte bobu ci lañuy programme bi mais c'est vraiment goudi dañu wara téré yow altiné bi mais c'est extrêmement important je crois que ñun ñep mën nañu ku ci nek bay sa war ci walu woow nonu ñu xam ni réew mi doxé comme niñ xamé suñu réew ni mu doxé ñu xam it système bi ni mu teddé je crois que waxtaan wi ci contexte bobu lañ ko lalé jeri jeuf El Hadj Malick donc mu ngi nonu jarna xam jarna japp ba tay rek bon mu ko ko def na né auditeur yi danañ ko jappé non waye El Hadj Malick tay dañuy atma ngi jeex tambali won nañ ko tay nak mu bëggon rek ñu waxtané ci dëkk bi nga xamné fi liñuy yéwo fi liñuy dëkk danaka gis né amna njitu réew mu bu xamné accès nañ ci pouvoir bi ci at mi ñu nek mu bëggon nga jàngatal ñu politique bi nga xamanteni ki di nga xamné mo jété jité réew mi tay gi mom lay doxal fi ci réew mi taftal ñu ci rek liñ ci wala xam ci wala immigration ak leneen li nga xamanteni rek intéressé na fi mëna ni communauté sénégalaise bi ndax dañoo bëgg xam bëgg jàngat bëgg del soit ci commencement ba fiñ tollu ni li nga xamné jàngatal nga jëri ci politique américaine bi dana round up dana ñu delu gannaaw ci 2017 bi ci réew mi xol bi Donald Trump jëlé nguur gi ak légui li fi xew ci xam ci ay mbir la yu mu def ak yeneen mbir yo xamne du moko def waye danañu gis conséquence bi nga xamne ni mom lay mëna jur ci réew mi ci 2018 bi ak ci adina bi danañu xol réew Europe yi ci France président bu bess ba mu jëlé nguur gi ci 2017 conséquence ya nga xamne mom lañu gis ci bir réew ma ci réew France waye dans le cadre de l'Union européenne digënté France ak Allemagne ak yenen réew yi nga xamne ñoo mujjé ñoo dugg ci réunion européenne té yi amna ay mbir yo xamne mu ngay am ci réew yoy nonu et dans le cadre de l'Europe en général melni la Pologne la Hongrie la Bulgarie ci également réew arabe yi au Proche-Orient comme niñ koy waxé amna fa mbir mo xamné xewna ci Arabie Saoudite je crois que c'est extrêmement important ay événement yu yaatu la événement yu ci biir réew mi waye ci biti ci diganté Arabie Saoudite ak Yémen ci guerre ba diganté Arabie Saoudite ak Qatar ci lolu nga xamné ni jaxaso la bu am ci rupture relation diplomatique ak yenen réew yu and ak Arabie Saoudite Bahrain Émirats Arabes Unis ak Égypte gis aussi fip bo xawal la bok wala diranté mbag bo xamné mu ngi am diganté Arabie Saoudite ak Iran ci biir réew yo nonu ci Liban mais également yëngu bo xamné ni Iran yëngu nako tay ci ay manifestation yo xamné amna té Iran japp né américain yi saoudien yi israélien yi sen loxo gennu ci donc delu ci également ci réew Afrique Sénégal ak yenen pays africain yo xamné ni amana ci 2017 bi amna fay événement yo xamné amna fa ci 2017 donc pratiquement ci 2017 bi ci la Donald Trump waton le 20 janvier jël pouvoir bi ni Donald Trump jëlé nguur gi je crois que daw ci heure bi yem nañu bëré yem nañu ndax dañu waxon ci 2016 bi lepp lo xamné natuway la ñukoy naté walu politique ci réew mi du point de vue démographique wala ci benen mbir bo xamné ni ci walu politique ñi seen xam xam match jëm ci walu politique wala ci walu histoire wala ci sociologie danañ ko jëfëndiko
xolone nañ ko xolne fan la Donald Trump mëna jaar ba jël nguur gi ñi xol lolou ngeen lolou mënul lek fekk na politique sori wut ak sport lu ne mëna ci nek bamu waté jël pouvoir bi ba tay amul benn bëss bo xamné ni yéewu nañu té mbir mu bëss amul ci réew mi lepp lo xamné ni l'ancienne administration bi fi nek defoon nako dindi nako bamu set wécc wala mu ngi ci yooni dindi ko benn benn bamu set wécc mais surtout amna enquête bo xamné bi mu toggé ci pouvoir bi légui enquête bobu taxawna moy service de renseignement wu réew mi gis nañu né bi jamono bi Donald Trump sampé ndëndëm ci langue politique bi né dafa soxla réew mi gis nañu amna dugulanté wala mebet nañ né amna ay dugulanté ay témlanté yo xamné amon na digënté Donald Trump wala campagneam ak ñi nga xamné moy les services de renseignement russe bi Trump jëlé pouvoir bi enquête bobu bi mu commencé xoot limu def moy dakh directeur FBI japonne amana bu ko daxé enquête bayam fa dakh bobu mu ko dakh mo jur am un procureur spécial bu ñu tab bu topoto walu enquête bobu digënté bobu bi ñu taxawalé procureur spécial bi ak légui ci birat mi atum 2017 bi ñent nit daanu nañ ci ño xamné ñepp ci campagne bi lañ doon liggéey wala ci nguur gi dem na ci sax ba gis né képp ko xamné langon na ci campagne bi deglu nañ la wala ñu ngi ci yoonu deglu la kon ki doon jité campagne ba ci jamono Donald Trump inculpé nañ ko ba il est sous contrôle judiciaire ñu ko takal jaaru bo xam lam bo xamné ni ci tank bi moy ankle bracelet GPS bo xamné bolé ko bel bu takku bo xamné ni mom la fay ki topone ci mom ñukoy wax Rick Gates naka nonu sous inculpation Mike Flint mi nga xamné ni général la won nékkone national security advisor bu Donald Trump pendant 18 jours yo xamné liggéey nako Donald Trump inculpé nañ ko kenen ko xamné da doon dox lepp lu jëm ci walu politique étrangère mo ci doon conseiller Donald Trump ñukoy wax George Papadopoulos également mom dafa sax plead guilty bo xamné ni mok Mike Flint moy nek na lu ñuy tuddé ci sen kalama cooperating witness moy tay lepp lo xamné ni procureur spécial bu bu sakku nako dana ko wax nana ko wax wala ki bu mu sakku ci mom dana ko jox lolu mo doon ay développement extraordinaire yo xamné ni amna ci biir réew mi amna ci enquête bobu nonu mais Trump bi mu togg ak légui monu ñu la wax législation bo xamné jall nañ ko fi lu dul barkati dembu ci biir wèr wi mbirum lempo yoy lu ñu soppi lempo yoy mu doy war bo xamné ni moy jël ci yi gëna néwlé jox ñu yor ay millions ak milliards loolu la lempo bi dawal lu dul lolu ndax am duñu am waxtaan nañ ci duñu am jot delu ci wat ci détail yi mais man nga ko tënké nonu moy ñi ëpp alal ñom la lempo bi wañi lañ doon fay ci li ëpp donc jël ci ñi nga xamné ni ñoo néw la jox ñooñu compagnie yi nga xamné ñi ngi doon fay dollar bu nek ñu fay ci 35 cents ñu wañi ko ni lañ dollar bu nek fu ne 20 cents ngeen ci fay amana ñu yaakar ne dañu jël xaaliss bi nga xamné ni mom la wañum lempo bi jur investirat ko ci biir réew mi wut yeneen liggéey kat waye du loolu lañ fassiyene def compagnie yoy di ñi def moy lañ ci rouss yeb ñu seddo ko ñom ak dañu tuddé sen shareholder moy ñi nga xamné ni moy ñi ñi bokal compagnie yi muy ñi ci am ay action muy certain actionnaire loolu gis nañ ko fi leneen li ñi gis moy ci walu immigration ci walu immigration ay raid yu du jeex la yo xamné ni di japp ñi nga xamné ni administration bu fi jaar daan na def lenn moy japp ñi nga xamné ni dañu ne ci réew mi te nek menace ci sécurité réew mi ya xam dañu bonk ci ay gang member wala di def yeneeni crime ñooñu lañ daan japp di leen génné tay administration bi amatul différence ki fi nek di liggéey nek ni ku baax yor non képp ko xamné yaangi fi amo papier jog nañ ngir japp la ngir génné la réew mi lolu yit liko lal dem nañ ba gis né nekatul sax walu immigration kessé ndax président bi nga xamné mo yor réew mi amna lu né ci mom lo xamné ni mbagnel go xamné jëm na ci lépp lo xamné du der bu wéx té lolu du ñun ñoko wax wala taskati kala yi xé wax ko lolu lu mu fessel la nit ñi xam ko limu fessel la
ndax taxawon na lank ne Barack Obama jiddo wu fi do américain jamono bi nga xamé né mu ngi yor business yori kër diko loué da don lank ne du loué ay nit ñu ñool yobbu nañ ko fi su nañ ko fi amna fi ñaari low suit ci jamonom ci federal bi su ko ba muy campagne aussi gis nañ kaddu yim yëkëti jëmele ci julit ñi né buñ duggati ci réew mi amana boko don lim du fi joggé waye ci ay bës bi wessu wax nañ ko ci dimanche bele ci lay yëkëti kaddu yo xamné ni képp ku don natable racisme am wala mbonam jëm ci kudul ni ku wër lolu je crois que deñ na moy ba mu waxé né même ñi nga xamné ay dañ leen di may visa ñi fi dugg ñen ñi di ay ño xamné seen xam xam dafa match ci recherche ñen ñi ci ay conférence lañu ñëw ñen ñi ci ay professeur université ak yenen ay businessmen di joggé Nigeria di fi dugg ñu may leen visa ci 2017 ñu tollu ci 40,000 japp na né ñoo ñu ñëpp ku ci xastek sa tank fi doto delu ci neegu ñax yi nga joggé won japp na ñoo ñëpp ci ay neegu ñax lañu joggé ñu né ko amna yit 15,000 haïtiens yo xamné ñëw nañ fi ñëpp visa lañu ñëwé mu né 15,000 yoy ñëpp boko xolé dañoo yor fièvre bi di sida 2500 afghan yi nga xamné lañ may visa mu né afghanistan du rew terrorisme li moy ay propos racistes yo xamné ni képp kuy natable né Donald Trump raciste la wala Donald Trump du islamophobe kon amana xamo doy suivre actualité rew mi ni mi doxé donc lolu gis nañ ko ci mom Dakar bi nga xamé né amon na fi ñi tuddé ko defer action for childhood arrival moy ay gone yo xamné nañ tollu ci 800,000 né ci rew mi ñëwé fi ci ñaari at ci ñetti at ci ñenti at tay tollu ci fukki at ak juroom ñaar jëm ko gone yoyu jangé fi xamuñu luddul rew mi bokku nak ci liñu tuddé the best and the brightest moy gone yoyu ku ci nek ci ñom jall na background check amuñu benn criminal record ñi ay docteur lañu ñi ay lawyer lañu ñi ñu ci armée bi ñu ci air force ñi ay paramedic lañu ñi ay teacher gone yoyu president Obama defal lool leen keyit bo xamné ni working permit bo xamné dana dem ci ñaari at wala ci ñetti at ñu am possibilité am luñ ci advance parole am sen social security ak sen driver license di liggéey di mëna tukki dama ko ñew Trump Donald Trump dakal lolu néwon dana and ak congrès bi ñu waxtaan ngir fessel ñu ñuy régler problème gëna yoyu def ko luñu tuddé une solution législative permanente amna ci lo xamné bind na ko tay ci twitteram ku ko xol xamné day katch naru ko régler mu ngi commencer delu gannaaw ci lolu gone yoy ñu ngi tollu ci 800,000 quelque lolu mu ngi ko dakal ci atum 2017 bi ak yenen restriction yo xamne tay duggal nako ci walu immigration légale bi bëgg ludul comme que mënul jël décret ngir soppi ko mu duggal ci mbir yo xamne daf ci lax jaan di yéxal procédure yi di deny visa yi té duko tek fenn bokut ak yok bi nga xamne ni yok nako déportation ndax bien que jëm nako yokku sax déportation yi waye ci premier 6 mois yi lako defone li ci dess moy boko setlo boko dé nat li président Obama déporté won ci ñi amul que papier ci adam bu ñëk mo upp li Donald Trump déporté lolu lim lay won moy amana lim bëgg yit lim ni mu koy nasé du sauté nonu parce que tout simplement ñi nga xamné ñom lañuy japp aussi amna ñu droit ci li ñuy tuddé du process limu def aussi nga xamné ni ñun ñëpp marqué na 2017 bi États-Unis dafa nekkon réew mo xamné dafa am leadership ci adina bi réew yi adina bi 186 pays dajawon ca France ca Paris waxtanon fa lepp lo xamné ni dafa jëm ci walu environnement rawatini li ñuy tuddé réchauffement climatique ñu xatimon fa accord bu ñuy tuddé l'accord de Paris bi mu toge genn na ci accord bobu ba set ci wacc leneen li nga xamne def nako ñepp tek ci seen beut moy rew yi nga xamne ño waxtanon seen biir diga seen digante ak Iran ba teurel fi accord bo xamne ci walu programme nucléaire iranien bi rew yoy du won dara lu du rew yu upp doole ci adina bi moy les 5 membres permanents du conseil de sécurité ak Allemagne moy ñan France Grande-Bretagne États-Unis ci bopam la Russie et la Chine et l'Allemagne ño waxtanon ba jubo ci ay wéri ay at sax ci waxtanou ay ati at sax mën nañ ko
xatim ko fexé ba guerre du am diganté Amérique wala Israël ak Iran jëm ci programme nucléaire bi biñu ci waxtané ba jubo ci ci la ñu signé won accord bobu nonu yobbu ko ci Conseil de sécurité adopté ko fa mom Donald Trump mu ngi fasiyéné delu gannaaw ci lolu parce que recertifié wul li nga xamné ni moy l'accord nucléaire entre les 4-5 pays, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité avec l'Allemagne, avec l'Iran. Si nous sommes dans les pays qui ont admis, nous avons vu que nous avons vu Jérusalem, nous avons vu que nous avons vu reconnaître que Jérusalem est Israël. Nous avons vu l'histoire de Jérusalem et nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nga xamné nekkon na sa xibla ci julit ñi la ta ka bëgg di nekk xibla en 1967 la guerre des 6 jours bu mu amé les israéliens ñeu occuper Jérusalem tek fa sen tank taxul adina bi reconnaître lolu il y a eu plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies yu ñaawlu lolu palestiniens yi japp ne sen dëkk la ci tarikh ak ci histoire ak ci diiné fassiyene ko def sen capitale ou état euleuk israël yi occupé surtout ce qu'on appelle la partie de la vieille ville diko coloniser di fa tabax lom la Donald Trump jeki jeki ne israël mom mom Jérusalem reconnaître ko comme état capitale ou israël mune dana djel ambassade états-unis bi nekone Tel Aviv yobou ko fofu nonou lolou muy lo xamné ni yeungal na monde musulman bi yeungal également ñi nga xamné ni moy rewou julit yi ñaawlu lolu ba xam nga ni ci ay bëss ba la ci lañu dem ci assemblée générale des nations unies def fa résolution bo xamné ni ñaat téméri rew ak ñaafka juroom ñent sénégal ci rew yi la bokku voté nañu résolution bobu né lolu américain yi def japp nañ né c'est nul de nul effet donc li ci gattal rek moy ni la nguroup Donald Trump tédé ni la teudé ci 2017 bi ñu wara and ak mom li jogga ka daanu ci ni jëm 2018 li ci gëna doy waar moy nak boko sétlo bu baaxa baaxa baax moy relation diganté États-Unis ak Corée du Nord ndax li ma wax yépp walu diplomatie la walu économie la amana aduna bi du ci jaaré tukki waye menace bo xamné ni mu ngi koy menacer Corée du Nord continuer di développer sen arme nucléaire ñu bari japp ne bo deful dank ci atum 2018 bi bu ci yalla deful sudura laale ma naam digënté ñaari réew yoyu boba lolu mëna jur musiba bu maga donc li moy l'année 2017 ni ñu ko dundé ak Donald Trump l'enquête russe sur la Russie c'est un dugulante campagne Donald Trump ci élection yi dana continuer nek lolu ci perspective la ci naka lañu nara dundé 2018 bi dana continuer nek lo xamné ni yalla mo nara marquer politique intérieure réew mi diganté campagne Donald Trump ak enquête russe bi ki nga xamné moy procureur spécial bi dana continuer di def liguey bobu non lolu je crois que moy jangat bi nga xamné ni man na constituer l'essentiel ci l'année 2017 depuis bi Donald Trump jëlé nguur gi ak liguey waaw ba tay rek ci walu wo nga xamantene tamit dox nga ko ci walu Amérique ci li nga xamantene non la dëkk bi doxé depuis que Donald Trump yëg ci réew mi bala ma sori damay déllu wat ci li nga xamantene lu bess la fële ci Afrique ci Liberia aussi tay ji tamit fal nañ fa ben nit ko xamantene dañ ko xam ci walu sport ba taxna ñu bari dañu rafetlu fal gog nga xamne fal nañ ko parce que sport bi mu nekkon la dafa nek njabot gu yaatu ci adina ba ñu ragné won ko ci mu nekkon le premier africain bu gagné ballon d'or mu donon tamit nit ko xamne tamit momit dafa yew rek bëgg réewum woné ko bala li di am tay ji ñu fal ko ma don la laacc ban jangat nga am ci falu George Weah bu fofu ci Liberia c'est vrai que George Weah je crois que inspiration la ci jeune libérien yep parce que mom ci bopam ndaw la won fofu ci rewma juddou ci pauvreté mag ci inspirer rewmi engagé won ak ci rewmi latam muy jow ci politique bi ndax boko fatalikou ci jamono bu rewmi qualifié wan coupe du monde wala coupe d'afrique mo don jël en charge
toute la délégation de l'équipe joueur et encadrement compris lepp lu ci war ci transport ci hébergement ci prime de match yeup yep. Lolu defal nako rewum du ben du ñaar maintenant bo setlo politique bi donc je connais que quand candidat échoué après mou ñu fal ko comme étant sénateur bo setlo qui dire vice président mo ngi nek l'ex épouse de Charles Taylor. Maintenant, Liberia est dans une situation difficile. Elle est dans une guerre civile, elle est dans une crise Ebola qui est en train de se l'infrastructure est décimée complètement. Tout ce qui est dans la santé, dans la tête, elle est dans souffre complètement. Comme si elle est dans la santé. C'est ce qui est challenge George Weah. Elle a une expérience dans la politique, à part sénateur, elle est sénateur. Donc, li défi là. D'ailleurs, beaucoup suivraient de très près campagne ou le programme. Qui a été un peu à promesse là. Mais quand je dis campagne ou le programme, waxul yoon wi mi jaar solution yu muy teurel ba régler le problème bi. Régler l'infrastructure santé, régler surtout le chômage bi ci ndaw ñi. Certainement, dana encadrer bopam ak ñuko wër ak nit yi expérience yo xamné ni. Le Liberia sen diaspora surtout bi nek États-Unis fenen amna ñu cadre yo xamné ni amana mën nañ indil réew mi lu bëré bëré bëri mais delu moy defem loloy waral li anglais nan honeymoon wala lune de mielam lu gatta gatt lay nek waaw bu wéso inspiration bi ci ndaw ñi le faire que mom ci bopam juddo ci réew mi juddo ci pauvreté mana tay dem ba def lu ñu mel. Lolu inspiration la ci beaucoup de jeunes africains mais boko setlo de près campagne am newul ne dana jaar yo nangam pour régler nangam pour régler nangam le fait que mu choisir l'ex épouse de Charles Taylor mo don jema indi réconciliation ci rew mi djubale ñep waye ligéy bi du xaar ligéy bi du xaar té ñu ngi koy xaar rapidement ci yoy nga xamné mom la limal sax comme comme rew mi souffrir na souffrir bo xamné ni moki infrastructure ak ñak liguey yi ndaw ñi fofu lañ koy xaar ce qui fait que certainement dana am ay cadre yu ko wër yu mo wara liguel poser beaucoup de questions demander beaucoup de stratégies lolu dana ko laaj équipe bi mi andal ngir ñu rapidement songu li nga xamné ni moy liguey bi mais inspiration la ci ni nga xamé na non la événement bi amé ndax ki nga xamné ni mo jité réew mi tay fogué wuñ ko won xaaré wuñ ko won fofu nonalé jërëjëf fofu tay rek Elhadj Malick ci walu xibaar jëmele ko rek ci politique internationale Arabie Saoudite tamit tay ñu tollu ni amna fi bour bo xamanteni presse bo xamanteni tamit mu ngi fi def lo xamanteni adina yëpp ngi koy suivre momit nga jangatal ma situation bobu nga xamanteni tamit mu ngay xew ci Arabie Saoudite ak presse bobu ne fanweri at ak ñaar ci la tollu ñu wax Salman Ben Salman bour bi di Salman moy papam ndaw la waruto nek prince héritier ki nga xamne mu nijaay la ci mom mo waron nek prince héritier di domi bour bi fatou ci at mi wessu at jele wessu ñi koy wax le roi abdallah donc ñu soppi protocole yeup soppi règlement yi pous nijaay yek bay ter yek cousin yek ñep mom papa ma def lolu ñu indi ko taf ko ci bay ji ne bu bay ji fatou tay moy nek bour muy ni ko doy war ndax bari na ay mbir yu jaxaso ci adina bi tay ci au proche-orient loxom gennu ci li ci gëna graw moy premier ministre rew nga inviter ko mu ñew mu nangu telefonam nangu bloqué garde du corps yi binduloko discours ne ko demal ci télé bi nga démissioné def lo nako Seyd Hariri moy l'actuel premier ministre libanais France ak Liban ak États-Unis ak yenn réew ak Grande-Bretagne ñoy fipp demander à ce que mu libérer le premier ministre mom Salman Ben Salman mo def lolu Seyd Hariri bi mu ñëwaaté Liban ci la dadi démissionné kidnapping kidnapper un premier ministre d'un pays lolu le New York Times est revenu là-dessus ci semaine bi wessu ci article bu lèr bo xamné ni kenn mënu ko wéddi guerre bi nga xamné mo am Yémen loxom gennu ci la fa am ci cas choléra tay upp na 1 million mu def un blocus naval aérien et terrestre
ndax amna fa ñu fa nek ay fipu ñu wax Houthi di ay Shia ñoñu lay géral du guerre conventionnelle bo xam dafa monté une opération militaire dugg ci réew mi yo sol envahir ko non daf ko def blocus di bombarder li fay dé ci civil kenn xamul lum tollu ngannaay yoy nga xamne mom lay jëfëndiko di bombarder réew bu nga xamne réewu julit la comme Arabie Saoudite ngannaay yoy mu ngi ko jëndé fi ci États-Unis mok bayam ak ñi nga xamne ñom la bokal nguur gi récemment rift diplomatique bi am diganté Arabie Saoudite Bahrain ak Émirats Arabes Unis ak Égypte jëm ci Qatar ci loxam la jaar mo sabab lolu def ko dem na ci sabab li nga xamne ni moy move bi nga xamne ni Donald Trump def nako jëm ci Jérusalem loxam gennu ci ndax tuddu nañ len ci ne lepp luñu nas muy ay action au Proche-Orient mok bayam wala mom bok loxam gennu ci rero wuñ jak américain yi ci walu Jérusalem bi nga xamne ni mom la Donald Trump ne daf ko reconnaître comme étant la capitale israélienne également dem nañ ba tuddu sax ak yenen yi mbir yo xamne ni donc mom Salman Ben Salman loxam gennu ci lolou yeb boko setlo moy au Proche-Orient Arabie Saoudite nek une puissance régionale de majorité population bi di sunni Iran nek une puissance régionale majorité ba di Shia donc rift diplomatique bobu nonou digënté ñaari réew yoy moy conséquences yi nga xamné ni mo lalu ci ni nga xamné ni mom le jeune prince bi di doxalé li gënon ak graw moy képp ko xamné ni menace la ci mom ci famille royale bi ya xam doomu badjen wala doomu nijaay wala kenen nat wër na la ndombu ñu japp le tej monel campagne bobu mu ko tudé campagne bo xam da fay xexé guerre alors que biñ ci bi mu commencé campagne biñ dawalé ñaari semaine wala wèr bo amna fi tableau de peinture bo xamné fi lañ ko jaayé New York auction moy vente aux enchères buñ fi def tableau ba ki di Da Vinci di peintre bu mak ko defone mu tollu ci 450 millions de dollars mom mo jënd tableau bobu nonou et lolu ça a été révélé par la presse américaine ci lu lèr la kenn mënu ko wéddi am benen ka tableau bobu kon yappal prix bi ma 450 millions de dollars ab tableau peinture la fait 450 millions de dollars ci ko xamné né day xex corruption am benen kër bu mu jënd ci France ci lu ëpp 300 millions de dollars lolu aussi la presse internationale a révélé que mom Salman Ben Salman mo jënd kër gogo kon nga gis né c'est un jeune prince bu tollu ci fan wéré at ak ñaar bu jël pouvoir bi longok américain yi pour maîtriser Iran mu jaral ko lu né jaral na ko lu nek ndax affaire Seyd Hariri bima la wax limu bëggoon moy am révolte yu am dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban jëm ci Hezbollah lolou la Seyd Hariri lankon mu fexé ba indi ko fofu Riyad ba invité ko dal di ko toroxal menacer ko pour mu démissionner donc ce jeune prince danañ bayyi xel ci mom ci 2018 bi sur la situation au Yémen parce que li am Yémen mom lañuy tuddé crimes de guerre et tous les crimes de guerre ne sont pas prescriptibles lañu en droit international manam lepp lo xamné jëm na ci lu mel nonu détruire di yaxay infrastructure wala di ray ay civil xamal ne bu boba yoon warna gestu say mbir ak fo munta nek ak fo munta dem donc dem na sax ba WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com. Listen. Got an old car? You can donate it, whether it's running or not, to the United Breast Cancer Foundation and save a life. They'll even come and pick it up for free. The United Breast Cancer Foundation has saved hundreds of women's lives through their free or low-cost breast screen exams. But now they need your help. The United Breast Cancer Foundation wants to save more lives through early detection by offering women free or low-cost breast screening exams. And donating your old car, SUV, or truck, whether it's running or not, helps pay for them. Plus, you get a charitable tax deduction.
Help the United Breast Cancer Foundation save lives by donating your old car, SUV, or truck. Call now for free pickup. 800-245-0471. 800-245-0471. 800-245-0471. Call right now. That number again is 800-245-0471. Attention business owners and independent contractors. This is a money-saving message from Tax Mediation Services. If your business owes $20,000 or more in taxes, we can help you today, right now. Listen, dealing with the IRS is no picnic. It's an intimidating and extremely stressful process, and you don't want to go it alone. Our attorneys know every law, every tax break, and every possible opportunity to help you resolve and reduce your tax debt. And if you owe more than $20,000, you may be at the top of their hit list. So don't take your tax debt lightly, because it will not go away on its own. The IRS can seize your bank accounts, your home, and even shut down your business. Call our tax experts today at 1-800-769-4821 and let us deal with the IRS while you focus on your business. That's 1-800-769-4821. Again, that's 800-769-4821. WPAT. Wa Malik bon nak ñu bay la nga yeggali fofu rek lay daane li ci walu ku nga xamne moy Salman Ben Salman dem na sax ba gis nañu li tubab nan tuddé flirter ak Israël moy amna ci lo xamné ni bu amé diganté Arabie Saoudite Israël ala bu mu la bétt ci walu and fessaluñ ko nak ndax résolution bi mala xamné bi mala xamné mo jall ci assemblée générale bi Arabie Saoudite voté nako wayé bari na ci lo xamné ni Arabie Saoudite and ak américain yi ak certains pays européens ak Israël mo leen gëna and ak réewu Iran alors que ñaari réew yëp ay julit lañu donc pour won la né damay faral toujours di wax né gisunu solidarité islamique bobu ci rew arab yi sen diganté ak Iran wala diganté Iran ak ñom ndax li nga xamné ni mo am mais nañu bayyi xel bu baaxa baax les développements au Proche-Orient ci 2018 bi ci ngor si nga xamné ni amul expérience té day jaay dolé lolu je crois que nañ ci bayyi xel bu baax Arabie Saoudite amna nganna yi yo xamné ni amna ko taxaw na ci walu militaire ngor si di Salman Ben Salman japp na na sax warna muna songu Iran warna muna songu benen rew ndax tollu nañ fofu tay ci walu nganna yo xamne ni ay arme yo xamne ni Donald Trump jaay na len ko wala livrer nako contrat yoy ci jamono president Barack Obama amna ci amone mu lank ni duko def wala duko livrer ndax situation bi mala wax au Yemen tay amna ñu lolu kon ngor si ci ndaw go xamne ni ci la tollu bu mu la bette bu militairement bu dalé ci benen réew bo xamné ni au Proche-Orient ya xam Qatar la wala Iran la développement yi bu amay ci 2018 bu mu la bétalé jërëjëf fop Eladj Malick ba tay rek ci walu politique internationale France nga xamanteni ñom dañuy faral di wonan leen le cousin ñoñu nga xamanteni jégeñ nañu ndax ñu coloniser won tay ji ñom tamit dañu am ngit bu bess ngit bo xamanteni ndaw la wuté nak comme niko set lokati set lo ak ñi nga xamné ñoo jottone ci té France tay ji momit no ñuy jangaté ci accession ci pouvoir bi kenn xaruton Emmanuel Macron nek président France France bam sasso ba légui li ñu xam rek moy la droite wala la gauche lolu mu kessé moma xam France du changement majeur bi moy ci at yi ñu wessu dem nañ ba l'extrême droite parti yi nga xamné ni parti raciste yi la raciste yi mel ni ñom Donald Trump parti yi nga xamné parti islamophobe lañu manam bëgguñu l'islam bëgguñu julit ñi dem nañ ba commencer émerger France ba taxaw taxaw nak am une force politique deug moy le Front National dem nañ ba ñu bari titone japp ne Marine Le Pen mëna nek président France ndax dem na deuxième tour et c'était pas la première fois Macron ñeu changer les données mu changer la mu indi benen nouvelle donne bo xamne moy nekatul fumne la gauche wala la droite nekatul la gauche ni ñu ko xamé won ci parti socialiste français wala la droite ni mu nekké won ci républicain yi
nangul aussi adopter ligne bi nga xamné ñu bari japp nañ né l'extrême droite moy wara nek la relève ci lañu bousculer donné yoy nonu société française bi aussi woné né nekkuñu une société raciste à majorité bo xamné paré nañ ngir jël l'extrême droite yob ko au pouvoir ci contexte bobu la jël pouvoir bi légui nak doxalin bi moy dana wouté gi fi amone moy la France amna ay problèmes domestiques ci walu rew mi yo xamné ni dess na koy régler mais aussi amna ay problèmes au niveau régional moy dans le cadre de l'Union européenne lolu aussi luñu wara régler là mais élection bi signification deug bi mi am sax moy dans le cadre de l'Europe ci bopam ndax bi nga xamé né le colonel Kadhafi daanu na gis nañu ñi daan jaar Libye di jaar ci la mer Méditerranée ak guerre bi am Syrie ak yenen jeunes africains yi jaar ci frontière yoy nonu yef yi gëna yok ndax le colonel Kadhafi mo nekkon le tampon bi téré won phénomène bobu exacerbé wu tuba bi longo sen biir and ak américains yi bom ko gis nañu problème bi mu leen jural après refuser yoy di daw di dugg ci Europe ça créer une ay problème politique yu bari dans le cadre de l'Union européenne créé nako biir Allemagne ak d'autres pays yi nga xamné ño mujjé dugg ci Union européenne bi des pays comme la Bulgarie comme la Hongrie et la Pologne dans une certaine mesure surtout nak un pays comme l'Italie mu créé fa des problèmes politiques intérieurs très très sévères donc élection bi ci cadre bobu la mais c'est intervenu aussi ci benen contexte moy dafa fekk Grande-Bretagne fippo né dañuy génn ci Union européenne bokkuñu ci zone euro bi parce que c'est différent bokkuñ ci zone euro bi du réew yi nek ci Union européenne bi yépp ñoo nek ci zone euro brité ci dem référendum japp né lépp lo xamné problème bu len dal la tay ci walu économie wala problème bu len dal ci walu immigration wala problème bu len dal ci walu politique mu ngi joggé dans le cadre de l'Union européenne marge bu ndaw ñu voter référendum génn d'ailleurs ñu ngi ci processus négocier ndax accord bi charte Union européenne bi amutone blueprint bo xamné ni manam doxalin bo xamné teurelon nañ ko kuy génné noy génné donc comme ko amul blueprint ñi def nañu référendum ngir génn kon tay il faut que mo am dans le cadre régional négociation digënté ñi nga xamné moy réew Angleterre ak Union européenne naka lañuy génné fofu donc nga gis né élection Emmanuel Macron bo xolé ba amna des éléments intérieurs ci biir réewma amna lu waral société bi réewma à majorité ñi né ki mom lañuy tann ndax programme bi discours bi idéologie politique dal doxalin ba waye amna dans le cadre également européen yeneen mbir yo xamné amna mo dicté lolu ndax bo falone keneen kudul mom moy surtout l'extrême droite moy ñi def comme ni Europe ni British yi def génn Europe France génn na Union européenne moy Union européenne yam na fa ndax le moteur de l'Union européenne rawatina de la zone euro France la Allemagne ndax ñom ñaar ñoy les plus grandes économies l'Allemagne est la première économie européenne France té wuti pratiquement dans la zone euro lay wax donc ñu gis né kon ci contexte bobu ci la ñëw au pouvoir limi ñëk songu rawal nak bokku na ci des problèmes intérieurs yoy nek na ci problème économie ndax kom bam magul ni nga xamné non la wara maggé du point de vue de la croissance lolou amna lu ci républicain djémone ci jamono Nicolas Sarkozy lata mom Jacques Chirac gisun ci ay résultat amna lu ci France lu ci socialiste djém ki nga xamné ni moy François Hollande gisun ci solution problème wu sécurité wu réew mi ndax lata Emmanuel Macron di ñew gis nga attentat yi fa am muy ay ndaw yu ñuy tuddé yo xamné nenañu ay musulmans lañu ay d'origine française mais surtout nak minorité musulmane bobu nonu muy ay goné yo xamné fa lañu juddo di julit lan moy sen place ci biir réew mi ndax gisunu sen bop ci réewum France ci doxalin ba ci opportunité ci walu kom ci walu place bañ am ci biir société ba lolu c'est des réformes intérieures yo xamné ni mon président Boubès bi dana ci djublu marché
du travail bi nim tedde France amul liñu tuddé compétitivité bobu bu compétiré ak yenen réew yi day am problème parce que marché du travail ba amul flexibilité bi nga xamné mom lañ soxla bo recruter une équipe manoto ko dakh comme ni ngay xé États-Unis ligéy place fanwéri at ñu xey dakh la wala ligéy fa une semaine ñu xey dakh la manoko def France bu luddul lool da nga fay borom ay droit yo xamné ni donc réforme marché du travail bobu du lu nek lu yomb ndax syndicat yang koy xaar toutes les grandes centrales syndicales danañu rayenté président bi ni bu déné dafa bëgga soppi ce marché du travail là indi ci flexibilité bobu nono walu retraite yi président bu fa mossa jaar retraite yoy moy upp sa bop ndax comme limala du lo xamné ni pratiquement du lu ñuy laal la mais budget réew mi safety net du réew mi atanul lolu déficit bi mënatul continuer jël les assurances ak les retraites ak pension yi kon lolu ala kulli al solution da fa ñew ndax comme que c'est dans le cadre de la zone euro amna ci lo xamné ci walu déficit budgétaire mënuñ ko wessu lolu donc c'est des programmes intérieurs yo xamné ni mom dana ko songu mom président France bi ñu doora duggu nak ci lo xamné c'est dans le cadre des réformes ay réformes yo xamné nécessité la mënul ñak dans le cadre de l'euro Allemagne dañu nek ci gouvernement bo xamné pratiquement ñu ngi jëm ci élection il faut que d'abord ñu dem élection ba paré ba la chancelière renouveler mandat japp nañu dana renouveler mandat ci niñ ko gissé bien que politiquement amna ay faiblesses delu na gannaaw ndax crise réfugié yi mala wax ak limu jur ndax l'extrême droite a avancé ci les élections régionales yi am récemment en Allemagne mais bu Angela Merkel amé benen mandat ba taxaw da nga gis mok Emmanuel Macron dana ñu and ndax ñom ñoy le levier les locomotives de la zone euro indi nak ay réformes moy fashion le jakarlo british yi pour négocier sortie british yi ci union européenne négociation bobu dana jëm ci walu surtout lan la british yi mëna def ba accéder au marché commun européen mais en contrepartie lu ñuy joxé surtout rawatina ci walu immigration concernant les citoyens européens lolu je crois que ben élément la ñaarelu élément bi la réforme de l'euro boko fateliko ci jamono amna rew yu ñew bokku ci euro bi te japp na ña waru ngon bokku ci euro bi ndax biñi waja dem ci euro ba boko fateliko ay at ci gannaaw rew yi potentiellement yu ci waron bokku dañu dajewon ci Hollande je crois ci rew mu ñu wax Maastricht négocier fa li ñu tuddé les critères de Maastricht moy képp ku bëgg bokku ci monnaie unique bi li ay terline la il faut nga jaar ci jamono ñu ngi arrêté won le déficit budgétaire fateliko duma chiffre bi mais ci amna fuñ ko taxawalon je crois ci 0.5% ci PIB ci PIB wu rewma rew mu ci nek rew yu melni Grèce waru ñu won bokku il ne remplissait pas les conditions l'Espagne amon na jafé jafé Portugal naka nonu Italie même dans une certaine mesure et lolu en 2008 feñna bu baaxa baax ba ci 2009 2010 ba ci daw wala daw jeek mu ngi don feñ ci rew yoy donc amna ci ay réformes économique dans le cadre de l'union amna ci ay réformes politiques amna rew yu bokku ci tay ci union européenne bi té ci walu politique ñu ngay delu gannaaw ñu ngi nek ay mini dictature c'est la Hongrie la Bulgarie et la Pologne Pologne def na ay réformes judiciaires récemment yo xamné ni mënu ñoo continuer di bokku ci union européenne di am comportement bobu nonu donc Emmanuel Macron vision perspective mo am moy plus de centralisation au niveau de l'Union européenne ñu gëna centraliser décision yi créer même un ministère des finances au niveau de l'Union européenne mais j'appelle ni Europe dafa am lu ñu tuddé les eurosceptiques moy ño xamné ni wolu wuñ Europe Union européenne japp nañ seen problème réew Union belen koy tek également ci walu immigration il faut ñu uniformiser décision yi ci jamono rew yi bokku ci Europe amna luñ tuddé lon luñuy tuddé l'espace Schengen l'Italie la France l'Allemagne et d'autres pays la Belgique ñu dajalo ñu né circulation des personnes et des biens dans le cadre de l'espace Schengen moy bo amé bo des citoyens français mëna circuler librement dans ces pays là bo dul citoyen français am un visa français mu permettre le de circuler
librement ci digënté réew yi nono lolu après les attentats de Paris et en Belgique gis nga né pratiquement l'espace Schengen déna de facto moy boté circuler à travers les frontières de ces deux pays là da nga gis né ci keuy rek la def luñu xatim la ci keuy mais virtuellement disons pas virtuellement physiquement da nga gis né soppi ko amna lolu bokku na ci chantier yi nga xamné ni le président français Besbu Angela Merkel génné ci élection yi ba falluat lolu bokku na ci en agenda en 2018 il faudra surveiller l'Europe de très près fi may dané les moy Donald Trump Amérique dafa nékkone leader un pays leader ci adina bi ñukoy bayyi xel ndax sen doxaline tay Amérique nekatul leader kenn bayetu ko xel européen yi japp nañ né tay ñom ñoo mëna défendre sen bop woné leadership le président français def nako récemment invité ay groupe de pays ak ki kalifa ñu waxtaan sur l'accord de Paris kenn invité wul Donald Trump invité won nañ ay maire yu bari ci dans les villes américaines ñu japp né kon à part réforme yi ma tuddu fi européen il faut ñu dajalo ñu créer ce qu'on appelle une politique de défense commune lolu naka jek européen dañ nañ ci waxtaan bëggone créer une force de défense commune ak seen stratégie bop seen doxaline Angleterre Grande Bretagne mo mossa yaq lolu biñuy bok ci l'union européenne parce que jappone nañ né une politique européenne de défense commune da fay néwal dolé l'OTAN l'OTAN courel la go xamné ni après 1945 réew Europe yu bok ci sow jant ñoko taxaw les pays de l'ouest ak les États-Unis muy une organisation politique et militaire Grande Bretagne bokatul Europe tay ci Union européenne bi Emmanuel Macron ak madame Merkel ci doxalu ñu Donald Trump ak ñak leadership am japp nañ ne européen yi war nañu mëna paré ngir taxawal ne serait-ce que une stratégie commune de défense lolu je crois que chantier la également bo xamné ni danañ ci bayyi xel ci admi donc fofu lay daané ci Europe ça va être une année très intéressante les Allemands ñu ngi jëm ci une élection donc tu crois que ci mois de mars bi la mais surtout ñu bayyi xel ci lolu le fait que du xolatu ñu Amérique comme étant leader parce que ki nga xamné mo jité réewum Amérique du leader amul leadership donc européen yi Emmanuel Macron madame Merkel ñoo nara projeté leadership bobu ci adina bi Alain jerejeuf fay lañu malik bon nak c'est un point très intéressant ndax yaatu na lol tay yi damay delu ci wat rek ci par exemple tay damay delu ci wat suñu rek Sénégal tay yi mu nane demb la ba tay mu am grand parti comme le parti socialiste ciow li bari ci lol yag na lu mat ñaari at ngi ni ñu nek ci ay tolof ci ñi nga xamne ñoo nek ci bop parti bi tay yi nak melni ne tranché nañu ba lu mat 65 personnes y compris le maire de Dakar ñoom ñep ñu exclure len ci parti bobu mu bëgg nga jangatal ma situation bobu rek bala nga ma jangatal fuñu jëm ndax yeen c'est les conséquences ci exclusion yi nga xamantene def nañ ko ci 65 personnes yoyu je crois que exclusion bi luñu formaliser la waye gennon nañu ba paré li tax gennon nañu ba paré moy Ousmane Tanordien ak ñimu andal verrouillé won nañ parti bi yag na verrouillé won nañ tejon nañ structure parti bi ba nga xamné ni ñi andut ak ñom mënatu ñu gis sen bop ci parti bi wala ci structure yi nga xamné ni ñoy animer parti bi donc lolu amon na ba paré je crois que li Moustapha Niass defone Djiboka defone ko dem ci Yalla Djiboka Khalifa Sall Aissata Tall Sall ak Khalifa Sall ak ñim andal buguñ won def lolu mais perspective bobu mo fa desone maintenant le parti socialiste du nekati parti socialiste biñ xamone bo gisé sax mu jël temps démé ni moy ñi nga xamné ño jité parti bi tay créé wuñ parti bi momuñ parti bi bu fekkone ñom ño créé won parti bi konon wax ju yegg fi te lima la xol ko bu baax ci ñi créer parti ñi nga xamne ñu parti yi fi seen borom créer yépp te nekk fi ña fa yëngu woon yépp gën nañ parti bi effectivement et toutes les formations politiques yi fi nekk danañu jaar ci crise bi fait des partis démocratiques sénégalais
ña fay yëngu ñëpp ngir laaj leadership parti bi wala parti bi doxale nenen wala ñu changer les orientations stratégiques du parti jogé nañ ci parti ba am dé AFP nonu fenen ak fenen nonu mais force bi parti bi amone vibrance bi parti bi amone dotu ko am amana ñiñ génné man nañ dem taxawal un parti socialiste bis wala un parti socialiste rénové mais à la coulée ils étaient déjà partis mais lolu da fay and ak conséquence exclusion bi conséquence bi andal moy lolu mala wax moy le parti ne sera plus ce qu'il était moy parti bi mu nekkone et lolu nonou lay demé nonou c'est une réalité politique bo xamné ni mo am mais bu fekkone tay ñi yor parti bi tay ño créé won parti bi demone ministère de l'intérieur de déposer son récépissé da non fekk ndax na ñi ne ci parti bi yagna maintenant politiquement ça ne change pas beaucoup de choses parce que lu amone la ba paré aussi politiquement acte bobu lan lay jour lan lay créé tay pas beaucoup de choses symbolisme la manam symbole bi dana am sens ñu né dakk nañu diw bokatuñ ci parti bi mais ku xol xam nga né Aïssata Sall bokatu don ci parti bi yagna naka nonu Khalifa Sall naka nonu Barthélemy Diaz maintenant juridiquement fan la décision bi tégué ndax ñiko def man nañ ko def ndax am nañu ben possibilité de recours etc mais lolu je crois que ñom ñi nga xam né ñoo né ci parti bi ñoo mëna xol lolu mais politiquement lu muy soppi du bari parce que ñi demone nañ ba paré mais bepp parti bu am crise bu melni am fissuration yu tolni politiquement aussi amna lum lay jural lolu je crois que élection yu ju ñew dana ko woné le parti socialiste ñu nanguko wala ñu bañ ko mo fi nek ne sera plus ce qu'il était parti bi mu nekkone ak quel que soit les relèves certainement Ousmane Tanor Diagne dana bayyi ci lu du yag yenen yi leadership taxaw positionné wu mais le parti socialiste alain ci gattal ne sera plus le parti socialiste biñ xamone voilà ko tay malik ci walu politique amna tamit lenen lo xamanteni un fait marquant bo xamanteni ci heure yi passé rek la muy Sada Ndiaye un transhumant bo xamanteni ci wolu bari na ci lol malgré li nga xamanteni amna ci manam bëgg transhumer waye buñu xolé ci Tiofando ya famu commencé ak tay gi ki nga xamne mom la wara rallier lo jangat ci situation transhumance bobu nga xamantene feñna surtout nak en la personne de Sada Ndiaye fan la transhumer en fait j'ai vu le titre j'ai pas lu xawma fan la dem yaakar na ne yaangi fatelu ko la loi Sada Ndiaye bi nga xamantene xamna Sada Ndiaye bamay nek étudiant il était le directeur du centre des œuvres universitaires au Dakar koudoué voilà xawma j'ai vu le titre xawma fan la transhumer fan la dem li lenn la mëna wax ci transhumance ni li transhumance corruption politique là corruption là du point de vue politique maintenant ni ki man na nek idéologie parti nangam mu dem bané mu né changer na bo sétlo ñi transhumer yépp wala ñi joggé fenn du et ci li ci graw aussi moy président bi fi nek tay mom mo def l'apologie de la transhumance président Sall mom mo japp transhumance am fum koy yëkëti numu ko tagge ak nimu ko gisse jox ko ben aspect positif te y a rien de positif sur transhumance parce que liñ ci gis moy d'habitude moy il faut aller avec le parce que duma deg ku genné ci pouvoir bi dem duggi fenen ñu né transhumance toujours genné rek ci benen opportunity dem duggi ci bir lolu moy transhumance bi alors amul aspect positif dans ce sens que bu fekké né nit ki daf ko def parce que idéologie politique wala partager un certain nombre d'aspirations politiques ñiko def ñepp luñu wut la nga xam poste la wala xaliss la wala leneen donc amul ben signification muy mom muy Sada li muy def ni tay il l'a fait avec le parti socialiste Sada Ndiaye était le bi muy nek ci coude bi ñom parti socialiste nek pouvoir bi il était le chouchou du parti socialiste il était au centre des œuvres universitaires doxalinam ak mbiram koku boko don wax tay do fi joge bi président wad di ñëw au pouvoir il est allé faire la même chose amon na jamono ñi suivre parti bi PS nekk ci nguur gi gisoon nañ doxalinu Sada Ndiaye c'était un homme fort il était un directeur général yor ñaari garde du corps au coude engagé ou dans la vie politique parce que simplement pouvoir ba jamonom soxla won nañ ko c'était un pion bi PDS ñëwé mu dem la loi Sada Ndiaye ñun ñëpp xam nañu ko donc mo créé won
ñu jëlé je crois l'Assemblée nationale présidence bi à 5 ans pour Dakh Macky Sall. Alors tay bu démé Dougar fini. Voilà, c'est ça. Je crois que jarul warante. J'ai vu le titre, beaucoup moone sax lire titre bi bama ko gissé dans la presse aujourd'hui parce que amul ben signification ak lu la nit mën ta wax. Moi, nit man na changer idéologie parti ne man socialiste la won gisatuma bop ci sama gisatuma sama bop ci socialisme tay centriste lay nek fi amna fi ni ko register bayyi dem register jogé démocrate nek républicain wala jogé républicain dem nek indépendant amna mais Sénégal képp ko gis mu bayyi muy bayyi parti yi di dem di bayyi partem wala jël partem sayel fenen parce que amna ci intérêt matériel dou lenen dou lo dalé voilà c'est ça bon nak xamna bala ma dané rek ci affaire Khalifa Sall mom tamit wax nañ ci jëmele ci walu procès bi japp nañ ko pour le droit dem ñewugul ñepp nak jël nañ ko né procès politique la jox nañ ci bari intervention yu bari waye toujours nguur gi mu ngi maintenir à ce que ñu def procès bobu donc ñaari procès ngi yo xamné Sénégal xaar nañ ko lool ci année bi muy le procès des soi-disant terroristes ak bi nga xamantene moy Khalifa Sall noko jangate rek ci par exemple ci yoy le dossier de Khalifa Sall, je crois que Warna a dit du programme B. Toujours les mailles résumées, toujours moi lolo. C'est ma position, je crois que ça peut couvrir. Japonais, bu Khalifa Sall n'est qu'on a la mouvance présidentielle, c'est procès du droit. Benen bi moi, bu xolé bu baax baax les chefs d'accusation. Le dossier amna cet aspect politique du meilleur way nak c'est un dossier judiciaire moy dama faral di wax toujours ñi and ak Khalifa Sall nek ay conseillers à partir du moment mo am ambition pour jiter réew mi waron nañu xolaat doxalin bi parce que tout simplement tarxis bi moy le dossier n'est pas vide dans sa totalité il y a des éléments judiciaires yo xamné ni mo wara mëna waral dossier bi ni té limako ni mako jangaté won ci 2017 bi lool la lay waxat moy procureur mëna wax nañ la top juge d'instruction bi bu gisul né amna lu laaj ñu top la du la top war na la bayyi nga dem parce que ñaari magistrat yi bokkuñu até bokkuñu statut bokkuñu protection qui le procureur il est magistrat du parquet juge d'instruction bis c'est un magistrat du siège et il est inamovible le juge d'instruction amna ay protection légale ak luñu tuddé protection constitutionnelle manam ni nguur gi mëna tégué tay tebe tay dakhlu ap procureur mënuñ ko def en juge d'instruction donc juge d'instruction bobu ci bopam amna kuko fété ko di kelifam bu topé procureur bi ndax il est corrompu amana ni kelifam nek ci cour d'appel bi ñu leen tuddé la chambre d'accusation bi man na baña top juge d'instruction bobu libéré la donc il y a une enquête de l'inspection générale d'état nguur gi jël à l'enquête ba japp né ki amana dafa bëggu nguur gi té bokku tok ñun parti comme ko gis nañ fi ay mbira ngi fi yo xamné ni man nako indir jafé nañ ko exploiter certainement ça a été la logique du pouvoir jaarale ko ci procureur de la république mune nañ def enquête préliminaire ci police ñu déglu ko mu jël dossier bi mon procureur né danañu ko top jël dossier bi def li ñu tuddé un réquisitoire improductif ci juge d'instruction bi né ko xolal dossier bi li ak li yaakar na lañ koy topé juge bi topé ko lolu inculpé ko formaliser inculpation bi door ko mandat de dépôt ci diganté bi am nga fi la chambre d'accusation de la cour d'appel am nga même la cour suprême ak ay motion yo xamné duguna fa donc c'est extrêmement important ñu gissé nonu dossier bi l'aspect politique du dossier moy ki bokut ak nguur gi gis andut ak ñom et d'ailleurs lolu moy aussi le plus grand problème moy nguur gi démocratie suñu démocratie fu mu tollu moy nguur gi man na duggal loxam ci justice ba namuy doxé ndax le président de la République moy le président du Conseil supérieur de la magistrature and ci le garde des sceaux qui est le vice-président
kurel gogou kep ku ñu fi jox promotion tay ñoo la ko jox ku ñu fi foot sa ndig muy magistrat kurel gogou mo koy def mais ci bir magistrat yi ñi c'est des magistrats du siège ñoo ñu am nañu protection protection bo xamné ay loi la protection yo xamné sax constitution bi la parce que la constitution dit que un magistrat du siège est inamovible tandis que magistrat yi nga xamné ñoo ci parquet bi moy les avocats généraux ya xam ci cour d'appel ba ci cour suprême le premier avocat général ba ci les procureurs généraux moy les procureurs de la république les substituts de procureurs ni da fay am lien relation bu dox sen deugante ak ñi nga xamne moy nguur gi mom lañ wax les liens de la chancellerie lélé nguur gi jaaré fofu lélé nga gis ko xamne ni dañ ko wara top procureur ne du ko top mom lañ tuddé l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre donc l'aspect politique du dossier fofu nga ko gis waye bo yoré sa mbeur comme lima la waxone ci 2017 bi mu wara dem ci lamb ji dang koy protéger ay conseillers au niveau de la mairie waron nañ jël toutes les dispositions idoines ba ngor gi do am fenn fu prof ndolu ngir dal ci ko am les chefs d'accusation yu ñu listé c'est des chefs d'accusation solides ak ñi nga xamné ñom la andal avant la caisse d'avance bobu fonds politique la won pratiquement 30 millions wéru né parce que tout simplement politique bi Sénégal niñ koy défé moy képp ku ci duggu bu la yalla mayul nga ragal yalla deug da nga dem ci kasso bi parce que dafa am une clientèle bu taxaw moy ci parti yi ci mairie yi amana liñ koy topé mairie bo dem ci biir Sénégal amna fa moy amna clientèle bo xamné ñu ngi fi clientèle bobu ngay entretenir politiquement lolu mo nek Sénégal mo ne ci parti bi ci nguur gi yor pouvoir bi mo ne ci benen parti bo dem moy il faut am wërseuk wu la yalla denk nga mëna entretenir ses militants mo nek tant toutes les organisations mo nek ci direction générale yi lolu nak ci année 2018 bi ak at yi ñew mo wara nek réforme ci biir réew mi ñi melni Ousmane Sonko am nañ ci ay cadre yo xamni ni lé lañu yëkëti ko ci ngir yé ci ndaw ñi mais problème structurel yi nga xamni mom lañ jankontel mo fi nek 62 ba légui et le président Mamadou Dia la ta muy genn adina dafa waxon mune méré wul président Senghor ngir lim ko def mais limu ko méré moy yi ñi nga xamne ñu ngi koy dund tay crise 62 bi am digënté président Senghor ak président Dia crise bobu nonu mo jur li nga xamne ni ndax président Dia amna doxalin yo xamne ni paré won na ci jamono ngir xex ko jëlé ko fi président Senghor ak ñim andal dem nañ sax ba wax kalifa diiné yi ci jamonom né président Senghor bu fi toggé yeen ñëpp amana da na am num def ak yeen boko sétlo kalifa diiné yi fi nékkon à l'époque yëpp 62 ñom ñëpp président Dia la ñandalon président Senghor la ñandalon à l'exception de quelques mais kalifa yi ci bari ñom la ñandalon parce que discours bobu ñu bari ñu gëstu histoire bind nañ ko non la démé won donc voilà les aspects yi nga xamné mo né ci dossier bi ni pour problème problème Imam Aliou Badaranaou Bobo, je crois que c'est dans la même mouvance. C'est dans la même mouvance en ce sens que même Boudoul, le terrorisme en tant que Ningkoy Waché, Ngourgui de Faye japonais, c'est l'apologie du terrorisme. En tout cas, l'apologie de l'intolérance en quelque sorte. Maintenant, le Sénégal n'est pas confronté au terrorisme. Certainement, Ngour Gui duko wax. Bépp réew bo xamné yang ci biir adina bi tay, man nga am problème bobu nonu. Parce que amna une minorité bu hijack diiné l'islam, jox ko benen tour wala bokk ko jox benen tour. Alors que la majorité wala la plus que la majorité ci julit ñi amuñu ben jafé jafé ak lolu. Maintenant, état leppam du leer amana bo demé biir Sénégal tay amna un dispositif sécuritaire bo xamné ni c'est pas visible ci walu sécurité ay soppé ko yo xamné mënoko gis c'est un dispositif dissuasif bo xamné amna ci luñuy gis amna ci lo xamné duñ ko gis nguur gu nekk peut-être mo xam ci biir politikam ci biir service de renseignement ci biir secret d'état ci lan lay soukandeku ngir protéger réewam mais je crois que l'année 2018 ci walu dossier bobu dana nek année bo xamné ni réew mi dana continuer
pour continuer politique de vigilance bobu nonou parce que ñu ngi jëm ci 2019 élection présidentielle alors que événement yu mel nonou jeye yi nga xamné amna ci adina bi bép réew bo xamné am nga divisions internes ci walu politique lolu man na jaar ci bir pour indi le problème bobu nonou sur le dossier de Khalifa Sall nguur gi dana nek sur la défensive parce que l'aspect politique du dossier bobu nga xamné mom la wax daf ci am solo ndax amna ñeneen ño xamné ni def nañu ñaxum té bokku ci parti nguur gi té kën topu len amana li Khalifa Sall def la mom lañ def wala ño xamné defuñu lu mel non wala def nañu lu gëna graw ils sont en liberté provisoire té kën waxul seen mbir yoy yep moy lo xamné ni moy créer défensif ci nguur gi woné né lélé justice bi tollu na fo xamné ni amna ay magistrat yu libre yo xamné dañuy acte deug ils n'ont de compte à rendre qu'à leur conscience et à la loi sen akulay ta la ñatte mais lélé le pouvoir au Sénégal amna possibilité influencer justice bi et lolu bokku na ci li nga xamné ni luñu wara xex la ci at bi di ñew ak ci yenen at di ñew inshallah Malik jërëjëf fa batay rek waxtaan wi neex na waxtaan wi bari ni jërëj Elhadj Malik damay dané rek ci 200 milliards am mimit souri ciow li bari na polémique bi bari na ba réaction gouvernement bi joxé na sax un communiqué pour léral lu melni mu melni Elhadj Malik su fekké né 200 milliards yoyu war nañ ko wax ci yoon war nañu gënne ben loi des finances rectificatives bu woné xaliss bi né xaliss ndangam jogé na ci ndangam wala ñu xam ci ñan lañu jëlé xaliss bobu pour gëna plus de am de transparence Malik tamit wax joju tamit polémique la bu am solo la réforme li ñu wara def buñu ko defone duñu yegg ci communiquer au gouvernement enquête yi nga xamné ni ñu ngoy def buñu ko bu jaaré yoon ki mëna jang ki mëna lire ki mënu lire ñëpp danañ xam parce que système bi bu léré ñëpp danañu xam dërëm bu nguur gi yor ci walu état bi ni mi doxé moy état bi ben caisse la yoré budget bi li muy yaatu ministère yi direction yi ben caisse lu état am ci ben caisse la moy trésor public et lolu c'est un principe important en droit en finance publique mom lañuy tuddé le principe de l'unicité des comptes lepp ci ben coffre fort la nek li tax ciow li di bari ci suñu rew moy amna fo xamné war nañ fa yegg ci léral ak ci transparence yegg guñ fa américain day fara jox follow the money xaliss bi boko topé waxuma la sax état baye yow journaliste enquêteur bi bo topé xaliss bi rek li wara lèr yépp dara lèr bima la waxone semaine passée ça n'aurait même pas pu susciter un débat polémique ni sati alal ci sénégal fuñu jëlé xaliss bi fi lañ ko jëlé fi la xaliss bi duggu budget bi ni muy tollu yépp wala lu mu mënta nek passation au marché kickback bo ci mënta am sur facturation bo démé France buñ défé enquête mu lèr nañ ñu xam li ci xew yépp ci ban compte la duggu fu mu jaaré nga ñëw États-Unis ñu def enquête lépp lèr amul différence digënté ñaari réew yi du point de vue comptabilité ak droit bi amul ben différence lan mo tax kon muy lèr ci yeneen réew yi te du lèr ci ñun moy dañu tapalé dañu tapalé tapalé gogou buñu ko dindé je crois que ça pourrait clarifier beaucoup de choses tapalé gogou nak c'est des problèmes structurels du lo xamné ni tay ñi fi tok ci nguur gi ñom ñok fi indi mom lañ nekké di dox ak mom ça fait pratiquement 60 ans alors ni ñu koy soppé moy yé peuple bi conscientiser peuple bi davantage parce que milliards yoyu ñu nangu du ay saku xaliss wala ay valise ay kayit la ay compte la ay virement électronique la ay wire transfert la lolu amul ben jafé jafé pour falaw xaliss bobu nonu xam fu mu joggé ak fu mu dugg milliards yi ñi wax yépp jappal né du milliards du ay xaliss yu nekk ci ay saku wala ci nekk ñu ko duy la plupart c'est des chiffres c'est des transferts c'est des virements électroniques donc yoyu neex na topoto mais dafa fekk né à part tapalé gi benen mbir bo xamné mo lalu ci réew mi je crois que lolu bokku na ci li ñu wara xex 2018 jëm moy parlo gi parlo gi yegg na fo xamné ni moy c'est le plus grand danger pour le Sénégal bu ñuy wax ay attaque terroriste wala possibilité d'attaque ci parlo gogou lay jaar parce que divisions internes lay indi mëno wax né dara baxu fi mëno wax né lepp baxna alors je crois que suñu défi 2018 bi moy naka lañuy fexé ba yé
ñaari extrémité yo ni, y a rien de bon ak tout est bon, amna le juste milieu li fi dox. Voilà le problème yi nga xamné ni mom lañ confronté wu et ñu indi ci solution. Une fois encore Ousmane Sonko ci discours am bokku na ci ñi nga xamné ni amana man na participer ci yéndaw ñooñu alé. Jërëjëf Elhadj Malick, dañuy daane rek ci sport. Sport da xam nga né Sénégal qualifié na Coupe du Monde pour la deuxième fois. Tay ji lolu dénk peuple bi d'abord, luy dénk peuple bi bala équipe bi di dem. Xam nga suñu dem Coupe du Monde du tax ki waron ki amul agn bu xey agn du tax ki amuton ordonnance manam ordonnance du tax ñi tapalé ci administration bi nangu ñu liggéey du tax ñu li baña liggéey. Au contraire amana heure yi match yi di am sax dana wañi productivité wu économie réew mi ndax ni sen ñu wacc heure bo xamne waruñ ko wacc wala bayyi sen liggéey. Donc ça ne change pas les fondamentaux du pays. Maintenant baxna man na jaay image d'un pays mais ça reste du sport. Du espoir bi nak mo ñuy développer dañu am défi ci biir réew mi. C'est des défis politiques ci walu démocratie ci walu état de droit. C'est des défis économiques moy batay ci suñu réew nit man na satialu réew mi aki moko té du muju fenn. C'est des défis de sous-travail nga xamné ki nek ku nek ci ñun la nga wara def xey heure wacc heure amana do xey heure do wacc heure. C'est des défis d'état de droit moy Sénégal nit man na ray nit te du muju fenn. C'est des défis d'état de droit moy nit alele amna nu muy sante wala lu muy am ci alal bu ko nexe mu def dara te yoon du dal ci ko am amana bo demé ci kasso bi fekk fa ño xamné ni du la len fa tek amana satti saku soble la wala satti ganar. Donc défi yoyu c'est des défis internes. Défi yoyu aussi mu am ñu jakarlo yeneen yi défi yeneen yi challenge yo xamné c'est au niveau régional au niveau international. Ça n'empêche pas que nous sommes un pays de démocratie. Amnañu presse bu libre ci biir réew mi. Amnañu li nga xamné ni moy def nañ du ben du ñaar ay élection libre et transparente. Am yu réew yu ñu wër yo xamné ni ñoñu gëna nek ci danger fouf ndax tay ñun xamnañ né en 2019 président bi fi tok bu nekké né la majorité des sénégalais gisuñ sen bop ci juroom ñaari at yum yor réew mi ñu xol sen dundu ñina suñ dundu kat soppé ku na en positif kon dañ ko sanni la carte nit mënul influencer soxlu bañu mu tok fi te kan mu togaat fi te kan faluko. Kelifa diiné mënul fexé wax ba mu togaat fi te kan faluko. Kelifa aada mënul lolu société civile bi mënul lolu buñu ko falé aussi ci lu leer. Opposition mënul contester ba du fi tok wala ba taal réew mi. Donc amnañu fondamentaux yu dëgër yooyu. Je crois que suñu qualification Coupe du Monde s'inscrit dans ce cadre là. Sport la man na joxe l'image d'un pays. Je crois que loolu moy l'essentiel mais on a beaucoup plus de défis que qualification au Coupe du Monde. Mais n'empêche que aussi bo xolé réew yu ñu wër nga xamné aussi amnañu bari ñu gëna démeline. Donc défi yoy mom lañuy songu en interne mais défi yoy mom lañuy songu également au niveau international. Malick bo do jakarlo rek président Macky Sall tay lan nga ko wax ni ko mom yow sa priorité lan nga kay wax comme conseil. Priorité bi du dara mom la lay awu fini ndax majorité réew mi ndax man na convaincre majorité réew mi en 2019 que fi mu len fekkone en 2012 sen dundu soppekuna ci njang ci faju ci ñepp yam ci réew mi ci ñet yoy rek ndax man na jakkaro la majorité la plupart des sénégalais ay jeune lañu ndax ndaw yoy gis nañu sen bop ci doxaline bobu ci juroom ñaari at yi bu dene majorité bi nenañ waw kon yalla man nako defal benen mandat bu majorité bobu ne dedet kon ci ben mandat bi lay yam manul campagne ak ay milliards wala mu jaar ci ben kilifa bu meuna soxlu mbolom bañu falat ko bu dene sénégalais yi gisuñu sen bop ci bilan bobu nga xamne mom la lay wax en 2019 ale. Jërëjëf Elhadj Malick bon nak ngok ñu ngi lay gërëm di la sante di la jox rendez-vous prochainement yaakaar naa ne rendez bi melni ne at mi yëpp nga jàngat ñu ngi lay ci gërëm di la sante yaakaar naa ne doxal nga ko comme ni nga ko war a doxalee gars ya nga lay gërëm ñu ngi lay sante bu baax ñu lay jox rendez-vous prochainement inshallah dimanche fii ci rajo Modèle International la. Merci jërëjëf Elhadj Malick.